Troisièmement, qu'en est-il du contact visuel? Il ne faut regarder le public à plein temps. Il faut lui consacrer de l'attention, le sentir. Est-ce que le public vous entend? Vous comprend? Cela l'intéresse-t-il? Il ne faut oublier que vous êtes en dialogue et les réactions du public sont pour vous tout aussi importantes. Pour cela, il faut bien comprendre que représente pour vous ce public et ainsi bien choisir la manière d'adresser l'information, parce que le public est votre partenaire. Nous avions parlé du vrai et du faux. Eh bien, le vrai est le travail intérieur qui inclut en soi l'analyse, la gestion du dialogue, le contrôle des émotions, et tout cela se déclare dans l'expression physique naturelle.